Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons visiter le niveau final, le château d'Hyrule. Château dans lequel il n'y a pas de gemmes. Donc, je suis toujours un peu perturbé parce que j'ai jamais réussi à troquer ma gemme bleue et ma poudre d'or. Donc, j'arrive pas à finir les quêtes annexes. Et je pense que ça, c'est évidemment le donjon final du jeu. Donc, c'est pas grave, je vais l'explorer quand même, puisque je sais pas quoi faire d'autre. Ah. Fermé à clé. Ils sont violents, quand même. Par où commencer? Allez. Par la gauche, toujours. Ça, c'était la salle de spectacle. La salle de bal. Pourquoi ils me foncent pas dessus? C'est la première fois que je trouve les ennemis qui me foncent pas dessus, ou presque. Bloqué. Ok, t'es toujours là toi? Allez. Donc là il reste toujours les instruments. Eux ils ont pas bougé. Par contre les musiciens ils sont partis. Aïe. J'arrive mieux quand je suis en dessous d'eux. Ouh là là. C'est bon. Eh ben ça en fait des piliers tout ça. Un coffre. Une petite clé, très bien. J'aurais peut-être dû les tuer parce que là, c'est difficile de passer. Pas mieux. Oula. Ah, je sais oublier cela. Je vais trop vite, comme toujours. Depuis le début du jeu, de toute façon, j'arrive pas. Je suis trop pressé. Je prends pas le temps de tuer bien tous les ennemis. Ok, donc y a rien ici. Allons voir dans les cuisines. Plus personne dans les cuisines. Aïe. Personne sur le trône. Personne dans la chambre de Zelda. Alors comment on m'avait expliqué que... Enfin, quand je suis arrivé dans le futur, ils m'ont dit... Enfin, le premier sage que j'ai vu là, m'a expliqué que j'avais été vaincu par Ganon et que Zelda avait été exécutée. Que Ganon avait pris le contrôle du château. Donc peut-être que c'est les événements qui sont en train de se produire maintenant. Donc on sait déjà que Ganon a pris le contrôle du château. Reste à savoir si Zelda est encore en vie. Et si je vais me faire vaincre ou pas. J'aurais peut-être pas dû aller là tout de suite. Oups. Déjà, allons voir ici. Ah, ici, c'est vers les cachots. Ah. La carte. Donc, ça me montre
toutes les salles que j'ai déjà visitées. Waouh, la tunique rouge. Là, ça sent la fin du jeu quand même. Ah. Ok, donc ça c'est le passage du début du jeu. En fait, vous avez peut-être remarqué qu'il s'affiche déjà visité sur ma carte depuis tout à l'heure. C'est parce que j'ai un tout petit peu exploré hors caméra, je suis passé par là, je suis descendu voir ce qu'il y avait, puis après je me suis dit finalement je vais quand même garder ça pour la vidéo. Et oui, parce que j'ai encore joué sans vous, juste pour continuer à chercher à refiler ma gemme bleue et ma poudre d'or. J'ai toujours pas trouvé d'ailleurs. Donc, on avait dit qu'il faut aller par là. Là où je suis. Je vais pas aller voir encore, c'était la réserve. Ok. Ensuite. Ah. Par où on va? On va aller par là. Pour l'instant, ça ressemble quand même beaucoup au donjon qu'on vient de faire dans le passé. Oups. Sauf que les gardes sont colorés au lieu d'être noirs. Ici, nous sommes dans le dortoir, n'est-ce pas? Et ici, nous sommes dans le second dortoir. Une clé. Donc, maintenant que j'ai deux clés, je sais ce que je vais faire. Ah mince, je recommence là. C'est pas grave. Il y avait un endroit où j'avais besoin d'une clé par ici. Ah, ils sont embêtants. Oups. Je vais probablement me décéder. Ah, non, pas tout de suite. Ouf, il est encore là lui ? Je m'attendais pas à ça, pour tout vous dire. Je suis lapiné. Qu'est-ce qu'on fait? Le problème, c'est que j'ai plus qu'un cœur. C'est quoi ça encore? D'accord, maintenant il m'a envoyé un petit remontant. Si vous voyez ce que je veux dire. J'ai mes contrôles qui sont inversés là. Enfin, plus maintenant, mais qui ont été inversés pendant un petit moment. Potion rouge. Je peux pas me débarrasser de ce truc sans être transformé en lapin. Et je peux pas retrouver ma forme normale sans me faire blesser. C'est dommage. Ah. Oups. Ouh là là, j'ai beaucoup de remontants là. Je suis complètement bourré. Ah! Oups. 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 Au final, c'est pas vraiment plus dur que l'autre. Parce que cette fois-ci, il marche par phase. C'est-à-dire que pendant une phase, il envoie beaucoup d'éclairs.
Pendant une phase, il envoie beaucoup de boules de feu. J'ai le temps de me préparer quand même. Même si ça donne pas l'air. ok. Vas-y, on voit des... Ah oui, mince, je suis encore lapin. C'est bon. On l'a re-re-tué. Et là, j'ai toujours mes contrôles qui sont inversés. Le cachot, mais on a une clé, donc c'est bon, on peut passer. Et on obtient la clé du boss. La clé du vrai boss final du jeu. Tout ça m'a l'air trop facile. Ce donjon, pour l'instant, ne présente strictement aucune difficulté particulière. Ni même aucune originalité, on va dire. C'est juste... Ah, il y a quand même Zelda. D'accord, bah il me manque une clé. Hein. Je suis désolé, je suis allé chercher la clé du boss avant ta clé. ok. On va revenir à l'entrée. Est-ce qu'on a toujours les effets du petit remontant? Non. Donc maintenant, on va aller voir la dernière zone qu'on n'a pas encore visitée. Non, j'ai visité celle-ci. Ici, il y avait le fameux coffre. Je vais enfin pouvoir l'avoir, ce coffre. Oups. Ta-ta-ta-ta! Tu as trouvé la boussole! Faut dire qu'il m'aura bien perturbé, ce coffre. Non, depuis le début du jeu, d'ailleurs. Alors, je suis ici. Je vérifie toujours qu'il n'y a rien là. Ok. Donc j'ai la clé du boss, alors logiquement je peux passer là. Mais d'abord j'aimerais quand même aller délivrer Zelda, non? Surtout que j'avais la clé, alors ce serait bête. Salut mon pote. C'est bon, j'ai une clé, je peux délivrer Zelda. J'arrive pas à m'en sortir avec les gardes rouges. Les autres ennemis, si je me concentre un peu, ça va, mais alors eux, y a pas moyen. Ah, ici tout est fermé. Bon bah du coup, je refais un aller-retour pour aller chercher Zelda. Ou je vais aller voir le boss. Bah écoutez, tant que je suis là, on va bien voir ce qui se passe. Ah, te voilà enfin, Link. Cette fois, la victoire sera mienne. J'ai amélioré mes techniques spécialement pour te vaincre. Ah bon? Tu admets enfin que je suis pas un simple microbe à écrabouiller. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, l'arc ne marche pas. Je vais renvoyer ces chauves-souris. Non. Flèche de feu. Peut-être que je peux pas encore le tuer parce que ça me paraît un peu prématuré. J'essaie quand même un peu toutes mes armes. Tu veux pas que je te joue de la musique? Tiens, regarde. En tout cas, il écoute, hein. Il écoute attentivement, là. Ah non, c'était pas ça. ok. Donc, je pense vraiment que c'est pas du tout... Ah si, bah, je peux le tuer avec l'épée. Tout... J'ai même pas essayé l'épée.
Je pensais que Ganon serait un peu plus intéressant que juste un combat à l'épée. Oula, qu'est-ce qu'il lui prend d'un coup là? Oula, c'est une barrière de feu. Bon, bah on va réessayer les armes à distance. D'accord, l'arc il passe même pas là. Donc les flèches de feu. Non. Est-ce que je peux faire fondre... Ah oui, je peux enlever ça avec la baguette de glace. Faut pas que je meure. Ah. Quoi, il m'a tué alors que j'ai utilisé ma potion rouge quand même? Ça, c'est pas sympa, hein. Du coup, j'ai plus de potion rouge maintenant. Alors, vite, la baguette de glace. Bientôt j'aurai plus d'énergie magique non plus. Bon, ça marche pas ma technique. Quoique si j'avais des potions rouges, ça marcherait mieux. J'ai utilisé toute mon énergie magique. À la rigueur, je pourrais me réapprovisionner en faisant ça plusieurs fois. J'ai 403 rubis. Et où est-ce que je les ai trouvés? Peut-être à force d'avoir des rubis rouges comme ça, tout simplement. Bon, je vais pas faire ça pendant des heures, je vais aller chercher Zelda. Vu que j'ai maintenant une petite clé. Non, c'est pas par là, c'est par là. Alors... C'est quand même pas par là non plus. C'est mieux de rester dans le château. Allons-y! Ah oui, il me donne énormément de rubis rouges. J'ai jamais fait attention. Salut! Tu dis que cet arc est pour moi. Ah ouais? Ah d'accord, c'était pour Zelda. D'accord, bah si tu vas dans ta chambre, je peux te libérer le passage. Je connais le chemin. Donc je suppose qu'avec l'aide de Zelda, tout ira mieux pour le boss, pour Ganon. Mais d'abord, j'ai besoin de potions. Alors tiens, des potions bleues. Peut-être. Vu que j'ai pas mal d'argent, je vais prendre 3 potions bleues. Ah non, c'est chez la sorcière, c'est pas ici. Bon, alors dans ce cas, comme j'ai la flemme, je vais prendre 2 rouges et une verte. En plus, les potions bleues, c'est quand même cher. Bon, les amis, cette vidéo se termine. Dans le prochain épisode,
je tenterai une seconde fois de vaincre Ganon, avec l'aide de Zelda cette fois-ci, si j'ai bien compris. À la prochaine fois, salut!